Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Seul temps pour Pété Diallo en Guinée. L'ex-ministre de la Santé continue son séjour musclé en garde à vue. C'est une situation morose qui s'est installée dans la vie de l'ex-patron de la santé, Diallo, qui est toujours privé de sa liberté à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Arrêté puis déposé à la DCIGN. Depuis 48 heures, l'ancien ministre de la Santé est en interrogatoire avec les OPJ sous la roulette même du procureur très spécial de la Grief Ali Touré. Son avocat, déçu de cette attitude des autorités, M. Bombi Mara, comme c'est de lui qu'il s'agit, dénonce véritablement un interrogatoire alors normalement musclé, une torture morale. Pété est poursuivi pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, concussion au préjudice de l'État. Après avoir été limogé le 21 novembre 2023 par le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui nous fait penser que Doumbouya est sur une bonne voie, car il frappe lourdement ceux qui, décident de se détourner du droit chemin. Au temps d'Alpha Condé, un ministre ne pouvait pas être arrêté et musclé au service de la gendarmerie. Ce qui nous laisse croire que Doumbouya est réellement engagé sur une voie et est prêt à tout pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Désormais, les ministres de la République devront craindre avant de commettre certains actes. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.